Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un glitch pour avoir les plaques Yanton sur tous les véhicules. Ok, alors je vais vous montrer ce que vous avez besoin. Dans votre bureau de PDG, vous avez besoin d'une place libre, ok, d'un emplacement libre, et vous avez besoin du mécano dans le bureau de PDG, ok. Après, vous allez avoir besoin d'une magic slot, ok, il faut une magic slot obligatoire. Et la Magic Slot, c'est la voiture où vous voulez mettre la plaque Yanton dessus, ok? Ça peut être n'importe quelle voiture. Ok, je vais vous montrer un exemple avec celle-ci, la Roosevelt, celle-ci qui est à gauche. Ok, ça c'est ma Magic Slot, ok les gars? Et comme vous voyez, elle n'a pas de plaque Yanton dessus. Ok, ça peut être n'importe quelle voiture, hein, toutes les nouvelles voitures qui sortent dans le jeu. Vous pouvez mettre des plaques Yanton dessus. Ok, il vous faut ça. Et il vous faut une Deluxo avec une plaque Yanton par contre. Ok? C'est vraiment un super glitch pour avoir les plaques Yanton. Ok, une Deluxo avec plaque Yanton. Et votre Magic Slot. Avec la voiture que vous voulez la plaque Yanton dessus. Ok, moi c'est la Roosevelt. Vous faites ce glitch en solo, vous pouvez le faire en session sur invitation ou en session publique, parce qu'il va falloir aller sous la map avec la Deluxo. Ok, premièrement, vous sortez votre Magic Slot. Ok, vous la mettez juste en dehors du garage, c'est pas important. Et là, à cet instant-là, vous prenez une voiture de PNJ et vous allez vous éloigner de votre voiture. Ok, parce qu'il va falloir appeler la Deluxo. Okay, vous éloignez de la première voiture, de la Magic Slot. Voilà, faut conduire voilà, assez loin quand même. Voilà, je vais m'arrêter à peu près ici. Et je vais appeler la Deluxo, ok, avec la plaque Yanton. Bon, c'est pas obligatoire qu'elle soit dans le même garage. Voilà, si vous rappelez où elle est, c'est mieux. Ok, vous appelez la Deluxo. Et une fois que vous avez appelé la Deluxo, vous allez vous rendre à l'endroit que je vais vous indiquer sur la carte. Là, vous allez vous rendre à cet endroit précis. C'est, bon, vous voyez l'aréna qui est là, c'est à gauche de l'aréna. C'est l'hôpital, je crois, ou un truc comme ça. Ok, vous allez vous rendre à cet endroit. Voilà, c'est vraiment un glitch pour ceux qui ont la Magic Slot déjà, ok? N'essayez pas si vous n'avez pas de Magic Slot, ça sert à rien, les gars, ok? Voilà. Là, je vais me rendre à l'emplacement que j'ai mis sur la map. Après ça, il faut plusieurs tentatives, hein. Ça m'a pris aussi 2-3 essais, moi. Quand j'étais sous la map, ça m'a fait ressortir de la map. Mais bon, là, je suis en session sur invitation, ça a fonctionné. Voilà, il suffit juste d'insister. Surtout pensez bien à regarder la vidéo en entier, les gars. Parce qu'il y a plusieurs choses à savoir. Voilà, je vais bientôt arriver au point du Wallbreach. Voilà, maintenant vous allez vous rendre à cet endroit là où il y a les deux garages à gauche, vous voyez tout de suite à gauche là. Voilà, une fois que vous serez sous la map, vous allez devoir vous rendre à cet emplacement que je vais vous montrer juste maintenant, juste ici, ok? Sous la map, vous devez aller à cet emplacement.
qui se trouve à l'aéroport, ok? Pensez bien à regarder, faites des pauses sur la vidéo. Ok, voilà, c'est parti. Là, vous allez vous passer en dessous, vous allez vous retrouver sous la map. Là, vous allez conduire jusqu'au point que je vous ai montré à l'aéroport. Bah, comme vous voyez, moi, ça m'a pris plusieurs essais, ok? Bon, j'ai l'habitude de le faire, alors je sais où il est le point, mais c'est mieux que si vous mettez un point sur la map, vous reconnaîtrez facilement l'emplacement. Ok, une fois que vous allez arriver à l'endroit indiqué, vous allez stabiliser la Deluxo. Faut bien qu'elle soit à l'endroit que je vous ai montré, les gars, ok? Une fois que vous avez stabilisé la Deluxo, vous allez juste appuyer une fois sur X. Ok, vous voyez, je suis bien à l'endroit, j'appuie une fois sur X. Ok, ça va me faire tomber dans un écran noir. Après ça, je vais ressortir à un endroit complètement différent avec la plaque qui va changer. Vous voyez, la plaque Deluxo, elle a changé. Et là, maintenant, je vais aller me rendre à mon bureau de PDG. Et je vais rentrer la Deluxo dans le garage numéro 2, pour moi, okay, où j'ai mon emplacement libre. Là, pendant ce temps, vous pouvez vous préparer à aller couper Internet, à vous mettre sur la page pour couper Internet. Après, vous faites un double PS et vous revenez dans le jeu pour aller plus vite, ok, pour la prochaine manipulation. Voilà, je vais bientôt arriver à mon bureau de PDG. Je vais entrer dans le garage où j'ai mon emplacement libre. Vérifiez bien que vous entrez dans le bon garage, ok? Okay, je vais entrer maintenant dans mon garage. Ok. Voilà, garage numéro 2. Pour moi, ce sera le 2. Une fois que vous êtes dans le garage, vous faites flèche de droite. Vous remontez dans la voiture, vous faites flèche de droite pour aller au mécano. Une fois que vous êtes dans le mécano, vous allez changer simplement les flancs des pneus. Ok? Et dès que vous êtes prêt à valider le changement des flancs, dès que vous validez le changement, vous allez couper Internet et vous remettez Internet rapidement. Ok? Dès que vous validez X, vous allez couper Internet et vous remettez Internet. Après, ça va vous faire revenir en mode histoire. Une fois en mode histoire, vous allez faire une session sur invitation. Voilà, quand je vais atterrir dans la session, je vais avoir... Donc la voiture, ma Magic Slot, avec la plaque Yanton, il y a des jantes dessus. Il faut savoir, faut bien savoir que maintenant il va falloir la sauvegarder la voiture là. Ok, votre Magic Slot, il va falloir soit la dupliquer pour la sauvegarder, soit vous faites un don de véhicule.
vous la donnez à un ami et l'ami vous la redonne après. Ok? Si vous la laissez comme ça, elle va redevenir d'origine. Ok? Pensez bien. C'est pour ça que je vous ai dit de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que si vous faites pas ça, vous allez éteindre votre console ou revenir et la voiture elle sera d'origine. Maintenant, il va falloir la sauvegarder. Alors, comme je vous l'ai dit, soit vous la dupliquez, soit vous faites en dents de véhicule. Là, je vais vous montrer la voiture. Elle a bien pris la plaque Anton. Avec, et en plus, il y a des jantes dessus. Sur la voiture que vous venez de faire, ok, elle sera dans le bureau de PDG. Vous voyez, elle est là. Il y a des jantes dessus, nickel. Vous allez voir à l'arrière, il y a la plaque Anton. Voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous allez pouvoir faire ça sur n'importe quelle voiture, ok. Toutes les nouvelles voitures qui sortent là, en... les mardis, etc. Ok les gars, bon, amusez-vous bien et pensez bien à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ciao, bonne journée.